c'était une victoire. C'était une victoire qui était très importante pour nous. Avec les matchs en retard, avec la Champions League, avec les points l'idée dans la première partie de saison, nous avons un dact, un coup de gauche à la race. Nous avons un chauffe encore mais c'est l'or. Donc, c'est important de reprendre le match pour nous chauffer le coup de chouïa, pour nous retirer le chouïa. Nous avons un match avec Jdida. Mais voilà, c'était un match plaisant, qui nous faisait les occasions. En première mi-temps, nous avons un match pour nous faire le match. Mais quand on touche le match, quand on a une équipe vivante, on a l'occasion d'ouvrir le score face à face. Donc voilà, on a réussi à faire une très belle première mi-temps. Une kenlaya du voyage de l'Hussima à Ounaf la première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils étaient plus frais. C'était un match plus compliqué, plus difficile pour nous. On n'a pas continué à jouer. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la peur, mais voilà, il faut féliciter les Aba. Le deuxième but, c'est un peu la cerise sur le gâteau, surtout pour Fouzir, qui a fait un gros match. Il méritait d'ouvrir le score. Donc voilà, 2-0, on va retenir que le résultat, même si la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, donc voilà, mais on va retenir la victoire, 20 points. D'abord, on a un match en retard. Le championnat, il y a deux groupes. Il y a le groupe de tête, il y a 5 équipes. Il y a Botola. Ou tout le reste, il y a le maintien. Il y a Tétoile, au Mali, 6e. Il y a 22 points. Nous avons le côté positif. Il y a un match en retard. Ça veut dire qu'on est 6e. Le côté négatif, mais il y a un match. Ça veut dire qu'on est encore sous le coup des autres équipes. Mais voilà, il y a un match qui est cool, Sahel. Voilà, féliciter les Abadi Ali, parce que depuis la trêve, niveau là, on a récupéré Skouma, Lyoum à 80%, mais quand Skouma il est là, ça change tout. Voilà, on récupère bientôt Asmanda, Boularoud, Gnaoui. Donc on va voir tout l'effectif. Nyang, Lyoum, je suis content de sa rentrée, on a pu faire souffler Benji. Voilà, on commence à avoir une vraie équipe. C'est dommage, comme j'ai dit, je suis encore jeune comme entraîneur. Mchit m'a un effectif floué, mais le rythme qu'on a, on ne pouvait pas tenir. Donc voilà, on a vite appris, on a corrigé. Inch'Allah qu'on fasse une grande année 2017 avec ce groupe parce qu'il le mérite. Comme a dit Walid, en première mi-temps, quand vous avez été même en deuxième mi-temps, en première mi-temps, on a joué avec les imkaniyats de nous, les dorof de la mokabale de Marrakech. La mokabale de Marrakech. كوكب مراكشي كنا لعبنا مقابلة قوية بزاف كان فالي ديال كنا بغينا نربحو داك الماتش كوت كوكوت إذا ضيعنا فيها بزاف الإنيرجي ضيعنا فيها زكريا الهلالي اللي كيلعب واحد الدور كبير في وسط الميدان فبالتالي جينا وكان هناك تعب بالنسبة للصفار فحاولنا البرومييي ميطون نلعبو بأن بلوك مويان في لا ديفونس لعبو عليه كونتر أتاك نجحنا فيه لأن جوج المرات والمهاجم ديالنا كيبقى على صورة الحارس يعني كنت سجلوا جوج الأهداف كانت غتكون مقابلة أخرى ولكن فريق الفتح كان أحسن منا كما قال وليد في الشوط الأول الشوط الثاني كان خصنا نقلبوا على التعادل كيف ما كان الحال دفعنا بمدافع من الوراء زدناه لوسط الميدان ودرنا تغييرات ديال اللاعبين في الهجوم خاصة باش يعطيو نفس جديد نجحنا في المهمة كذلك في الشوط الثاني ولكن بعض المرات كرة القدم يخصك الزهر باش تربح ماشي يكفي انك تلعب مزيان ولا باش تربح للاسف ضاعوا الفرص اللي جاونا ولكن الفرص اللي جات لفتح الرباطي يعني تسجلت اظن عموما الى جمعنا الشوط الاول مع الشوط الثاني اظن بانه فوز مستحق لانهم ربحوا لي ديال ربحوا تقريبا 80% ديال لي ديال وفي مقابله كره القدم اللي كتربح 80% الى ربحتي على 60% ديال لي ديال كدير المقابله اللاعبين ديالهم بدنيا اقوى من اللاعبين ديالنا فاظن بان لي ديال هما اللي داروا الفرق اليوم في المقابله.